Il est 8h30 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, c'est Ronan Cardraon, président de Saint-Brieuc Armor Agglomération et maire de Plérin dans les Côtes d'Armor, qui est avec nous. Bonjour Ronan Cardraon. Bonjour, c'est toujours un plaisir que de venir vous voir. Eh bien écoutez, le plaisir est partagé. Vous êtes notre premier invité de cette matinale, invité de la rentrée donc. Et on va parler aujourd'hui de sujets qui vous préoccupent, qui nous préoccupent. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, hein. C'est le maître mot avec le changement climatique entre autres. Et on parle dans les Côtes d'Armor de quelque chose qui vous est cher, c'est ce lancement du cluster hydrogène. Lancement, si mes petites notes sont bonnes, qui se fait avec la CCI des Côtes d'Armor, la Chambre de Commerce et d'Industrie, et l'AGLO, donc Saint-Brieuc Armor Agglomération, dont vous êtes le président. Oui, tout à fait, c'est une initiative que la CCI et son président Thierry Trush a lancée, et que je le remercie d'ailleurs d'avoir lancé cette initiative. On appartient à un regroupement à la fois d'élus, mais aussi d'organisations, et autour de la CCI, nous-mêmes, il y a le syndicat d'énergie, mais il y a aussi la Banque des Territoires. Et donc, ça fait maintenant un peu plus d'un an que nous y travaillons. Et c'était dans le cadre d'ailleurs du programme que j'avais lancé lors de mon élection en 2020 sur la transition écologique. On est en plein dedans. Alors, j'ai parlé de cluster. Alors, on en parle beaucoup de cluster dans un autre domaine. On y viendra, on parlera tout à l'heure aussi de la situation sanitaire, toujours et encore. Qu'est-ce qu'un cluster hydrogène? Alors, d'abord, je me félicite qu'on parle de manière positive des clusters, hein, puisque c'est vrai qu'en ce moment, ça a souvent une connotation un peu négative. L'idée, c'est qu'on puisse travailler sur ce mix énergétique et aller voir ce que l'on peut mener et faire en matière d'hydrogène. Et l'idée, c'est d'avoir une station de production sur l'agglomération, mais aussi un maillage de stations de distribution. Et là, c'est vraiment tout l'enjeu que nous avons à travers ce cluster qui, à partir de la réunion que nous avons eue à Langueux l'autre jour, a quand même démontré un certain dynamisme, une certaine attente de la part notamment des professionnels. La collectivité se doit bien évidemment d'être au rendez-vous, puisque si on ne montre pas l'exemple en investissant parfois lourdement dans un domaine, eh bien les choses ne démarreront pas. Voilà, donc il faut bien démarrer quelque part. Alors j'imagine que demain, si j'acquiers une voiture à l'hydrogène, je ne vais peut-être pas pouvoir me servir tout de suite des infrastructures. Comment ça va se présenter? C'est clair, pour l'instant donc on est en pleine réflexion, et l'idée, nous au niveau de l'agglomération, on a répondu à un appel à projet pour l'achat de 12 bus à hydrogène qui seraient positionnés sous la ligne Théo. Et puis on également de deux bennes à ordures ménagères, hydrogène également. Donc nous, on lance le sujet, on lance le débat, on fait des investissements, et c'est vrai que pour le particulier, monsieur, madame, tout le monde, eh bien les choses sans doute prendront effet dans 4-5 ans, quoi, pour le temps que les choses se diluent dans la population. Alors 4-5 ans, néanmoins, ça va très vite. Oui, tout à fait. C'est à l'échelle humaine, c'est très très rapide. Aujourd'hui, quand on regarde le coût de l'hydrogène tel qu'il est aujourd'hui proposé, hein, l'autre jour j'ai eu le plaisir de conduire la Toyota Mirai hydrogène, un plein 600 kg d'hydrogène, et le coût, je crois, 10 euros du kilo. Quand on regarde, ça fait un plein d'un véhicule gasoil traditionnel, alors avec une autonomie moindre, hein, bien évidemment. Mais je crois que aujourd'hui on doit s'orienter vers cet hydrogène. Mais alors la complexité, c'est qu'aujourd'hui c'est de l'hydrogène gris, et on cherche à avoir de l'hydrogène vert. Voilà, c'est aussi cette transition écologique qui s'opère doucement. Il faut du temps pour mettre les infrastructures et les produits en phase avec l'environnement. C'est toute la notion de transition, effectivement. Et moi, je préfère parler de transition écologique parce que effectivement, on ne fera pas tout de suite. Donc, il faut qu'on s'en donne les moyens, il faut qu'on dégage effectivement les marges financières, nous, au niveau de l'agglomération, mais en concertation totale, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que grâce à la CCI, nous réunissons autour de nous l'ensemble des partenaires privés intéressés par cette nouvelle énergie. Là, on est dans un partenariat public-privé caractéristique, finalement. On est en plein dedans, c'est l'idéal. Je crois que quand on veut développer
à domaine quel qu'il soit, la meilleure solution, c'est effectivement le partenariat public-privé. Alors, se pose aussi le problème de l'énergie aujourd'hui. Hein. Vous disiez que le syndicat d'énergie est à vos côtés hein, dans ce projet. Le problème aujourd'hui, c'est de produire beaucoup d'énergie pour fournir de l'hydrogène, car l'hydrogène est un petit peu gourmand en production d'énergie. Alors, se pose la question, on en a un petit peu entendu, enfin même beaucoup entendu parler, des éoliennes en mer, par exemple. Alors, est-ce qu'il faut arrêter le nucléaire tout de suite c'est pas une question piège. Ou est-ce qu'il faut développer l'éolien et les énergies douces? Parce que pour produire de l'hydrogène, il faudra beaucoup d'énergie. Non, je crois que en la matière, il n'y a pas de vérité. La seule vérité qui aille, pour moi en tout cas, c'est le mix énergétique. Aujourd'hui, le nucléaire est aujourd'hui nécessaire. Hein. Quiconque dirait l'inverse mentirait. Mais il faut qu'on aille vers une plus grande diversification énergétique. Aujourd'hui, on le teste, nous, à Saint-Brieuc, puisque nous avons une navette électrique sur le réseau. On envisage des bus à hydrogène. On a également des bus au GNV. Donc, il n'y a pas une énergie, il y aura une multiplicité d'énergie, un mix énergétique, et on essaiera d'adapter la meilleure énergie au meilleur mode de transport. Alors aujourd'hui, il y a une crainte, là aussi on entend beaucoup parler, et puis il ne vous aura pas échappé, Ronan Cadraon, qu'on va avoir quelques échéances électorales à venir, en tout cas la présidentielle et les législatives dans la foulée. On parle beaucoup de cette transition énergétique, on parle aussi beaucoup du CO2. On sait que la France, c'est 1% en gros de rejet de CO2 par rapport aux autres pays, par rapport à la Chine par exemple, par rapport à la Russie, par rapport aux États-Unis. Finalement, on a l'impression qu'on s'échine un petit peu et que les autres, finalement, ne font pas d'efforts. Oui, c'est ce que certains ressentent, effectivement. Mais en tant que pays développé, c'est peut-être à nous aussi de montrer l'exemple et d'accompagner celles et ceux dans les pays moins développés que nous dans ces orientations-là. Alors, on va parler, on parlait tout à l'heure de clusters, et bien ça nous amène à la crise sanitaire. Alors là, ce n'est pas les mêmes clusters. Bon, il n'y a pas de cluster à Plérin, je crois. Non. Comment se passe cette presque sortie de crise? Mais c'est encore timide. Oui, d'abord, je crois que depuis 18 mois, les populations et nos populations sont passées par tous les stades. La peur, la crainte, à un moment donné, c'était même le je m'en foutisme, puisque parfois, on le constatait sur les marchés ou sur les digues. Chacun a été responsabilisé, en tout cas c'est ce que nous souhaitions faire nous à la ville de Plérin. Aujourd'hui vous avez les manifestations contre le pass sanitaire. Moi je crois que en la matière il faut raison garder. Peut-être que ça dénote le fait que les pouvoirs publics n'ont pas su tenir un discours clair tout de suite. On a eu des atermoiements, que ce soit sur l'histoire des masques, l'histoire de la vaccination, enfin les âges pour se vacciner ou pour porter les masques. Il n'y a pas eu de chose très clairement dite. Aujourd'hui on constate qu'il y a un manque de confiance, ou en tout cas une forme de défiance dans la parole publique. Quand je vois que quand on manifeste contre le pass sanitaire, on compare ça à l'étoile jaune des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'à un moment donné, je dirais stop aux conneries, quoi. Mm-hmm. À un moment donné, c'est insupportable, ça, par contre. Que des gens ne veuillent pas se faire vacciner, c'est leur droit, c'est leur libre arbitre, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir raison garder quand on s'exprime parfois. Alors, on a une crise sanitaire, on a une crise, j'allais dire sociale, qui est un petit peu en prolongement des gilets jaunes. On voit que le président de la République est quand même malmené dans l'opinion. Je le disais tout à l'heure, on a les élections qui arrivent, présidentielles et législatives. Vous, à gauche, Ronan Cadraon, comment vous percevez cette période électorale qui s'ouvre? Bah, tout à fait, pour la gauche, je crois qu'on voit les différents sondages, hein, le plus fort vote pour l'instant qui s'exprime, ça serait pour Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon, autour de 8% tous les deux. On a quand même une gauche qui est bien émiettée, bien fractionnée. Je dirais que Emmanuel Macron a fait son job.
Quand je regarde de l'autre côté à droite, bah, c'est pareil. Donc je suis très inquiet parce qu'on risque d'avoir une polarisation entre Macron et Le Pen, avec une petite montée là d'Éric Zemmour qui n'arrange pas le débat démocratique, malheureusement. Mais je suis très très inquiet parce que je pense que les électeurs n'auront guère de choix à l'arrivée et on risque de refaire le match, comme disait Eugène Saccomanno, de la dernière présidentielle. Grande voix de la radio. Renan Cardraon, justement, ce match Macron-Le Pen, c'est ce que les différents partis politiques essaient d'éviter. Néanmoins, vous le dites, Alain Gauche est très dispersé. Et pourtant, elle a réussi, dans certains endroits, et dans les Côtes d'Armor en particulier, à se réunir et à décrocher le département, par exemple. Oui, tout à fait. La gauche a une démarche ici, en Côte d'Armor, tout à fait exemplaire, puisqu'au-delà des sensibilités des uns et des autres, voire parfois des clivages qui peuvent exister, ce qui est tout à fait bien normal. Elle a su se rassembler, se réunir à travers une plateforme, et c'est ça qui a permis ce succès au départemental. Mais je crois que ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'à travers ce succès, ce sont des hommes et des femmes de terrain et de proximité qui ont gagné. Ou qui ont conservé leur siège. Et je pense que pour les élections à venir, et notamment législatives, la notion de proximité sera de plus en plus importante. Est-ce que justement, ceux qui nous gouvernent, alors à Paris, par exemple, sont trop loin du terrain ? Je ne sais pas s'ils sont trop loin quand ils sont à Paris, mais je trouve qu'ils n'y vont pas assez sur le terrain. Et quand on regarde la composition du gouvernement, on se rend compte que très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas été élus, quelle que soit leur origine politique, donc qui ne connaissent pas forcément les questions de terrain, qui restent dans les tours ou dans les tours d'ivoire ministériels et qui vont de temps en temps, comme le président de la République, quand il a fait son tour de France suite aux Gilets jaunes, où on avait l'impression que parfois c'était le roi Louis XVI qui allait, ou Louis XIV qui allait dans les provinces, et puis on lui touchait les écrouelles et on était guéri, on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on voit bien que la colère sociale qui existait au moment des Gilets jaunes existe toujours. Elle n'a pas disparu, cette colère sociale. Parce qu'il faut toujours mettre du gasoil ou de l'essence dans sa voiture pour aller travailler. Et aujourd'hui, on voit bien que des gens qui ont un boulot à 25 km, ben, n'y vont pas parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y aller. Et que parfois, ben, à rester à la maison, on gagne plus, malheureusement. Renan Cardraon, on a vu justement cette crise sanitaire impacter énormément l'emploi aujourd'hui. Autre initiative, vous l'avez conduite également, ici Choisis ton job, qui a été porté au niveau de la région de Saint-Brieuc. Est-ce que ces initiatives, vous allez pouvoir nous en dire un mot évidemment, est-ce que ces initiatives sont importantes là encore sur le terrain ? Aujourd'hui, toute initiative sur le terrain est importante. C'est pour ça qu'en tant que maire de Plérin, j'ai répondu favorablement à l'invitation de Joël Bâtard, le maire de Pordic, de Paul Chauvin, le maire de Binic-Étable, et de Thierry Simulière, le maire de Saint-Quay, pour qu'on puisse s'associer pour créer ce forum en direction de l'emploi. On était parti d'un constat qui est juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et à partir de la phrase de Macron qui disait « il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un job », ce qui est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on constate qu'un demandeur d'emploi, il a besoin, pour des raisons diverses et variées, notamment financières, de trouver son job, effectivement, à proximité de chez lui. Et sinon, il est obligé de prendre sa voiture. Les moyens de transport ne sont pas toujours non plus adaptés aux horaires de travail, notamment dans les abattoirs. C'est toujours assez compliqué, le travail de nuit. Donc, oui, il faut mettre le demandeur d'emploi en rapport avec un travail au plus proche possible du terrain. Et c'est l'initiative que Joël Bâtard a menée sur Podic, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on s'est associé à cette démarche qui nous semble essentielle. Alors Renan Cardraon, là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est aussi des maires, des élus de différentes sensibilités. Oui, tout à fait. Je crois que, et on est dans une agglomération que je préside, qui est sur une gouvernance partagée, même s'il y a effectivement une majorité dite de gauche et une minorité dite de droite. Mais on a l'habitude de travailler ensemble. On est aussi des élus du littoral, puisque
les quatre élus en question sont des élus des littoraux. On a l'habitude de travailler ensemble, on se respecte, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas non plus des initiatives ensemble? Parce qu'en fin de compte, c'est aussi ça que nos électeurs attendent, c'est qu'on œuvre ensemble pour l'intérêt public. Et l'emploi est un vrai intérêt public. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'une société qui est très clivée, qui est très abîmée, on pourrait le dire comme ça. Comment la réparer, cette société? Comment faire en sorte que les gens dialoguent à nouveau entre eux? Et là, je me tourne aussi vers le maire, parce que vous êtes témoin chaque jour de ces difficultés. Je crois que, d'abord, si j'avais la recette miracle, je crois que je me présenterais en 2022. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Non, je crois que d'abord, il faut éviter de tomber, un, dans le dogmatisme, deux, dans l'exclusion. Aujourd'hui, ce dont nos concitoyens ont besoin, c'est d'abord d'un langage clair. D'un langage clair. Si on ne peut pas faire, il faut le dire. Si on peut faire, on le fait. Mais il faut avoir un langage clair. Il ne faut pas non plus forcément brosser les gens dans le sens du poil, parce qu'il n'y a rien de pire. Oui, éviter la stigmatisation. Et puis être modeste dans ce qu'on peut proposer, parce qu'effectivement, d'abord, on n'a pas la solution à tout, on n'a pas réponse à tout. Donc évitons de laisser croire aux gens des balivernes, et je pense que ça avancera peut-être un peu mieux. On a fait trop de promesses par les années passées. Là, je parle de tout parti confondu, toute personnalité politique confondue, et ça a cassé justement le rapport de confiance entre les élus et les citoyens. Je crois qu'effectivement, la parole publique a été discréditée. Je ne vais pas jeter l'eau propre sur la manière dont la crise sanitaire a été gérée, parce que je pense que personne n'était préparé à cette crise-là. Mais je crois qu'il faut toujours tenir un discours qui soit celui du langage de vérité. Même si on se prend des revers de bâton, parce qu'au final, c'est ça que les gens... Je donnais un exemple. Il y a quelques années, je m'étais un petit peu pris de bec sur le marché de Plérin avec un administré, et puis je lui avais répondu que je ne pouvais pas accéder à sa demande. Et 6 ans plus tard, je fais la tournée des bureaux de vote pour les municipales, et puis je tombe sur lui. Et je lui dis: alors, vous avez fait votre devoir électoral, je ne vais pas vous demander pour qui vous avez voté. Et puis il me répond: détrompez-vous. J'ai pu discuter avec vous, vous engueuler, il m'a dit sur le marché, il m'avait répondu, je n'étais pas d'accord avec votre réponse, mais vous m'avez répondu. Et il me dit, alors ça n'engage que lui et moi, il me dit, j'ai voté pour vous. Donc vous voyez comme quoi... Voilà, la peur finalement de perdre des électeurs, qui a peut-être aussi perdu la parole politique. Bien sûr, et puis il faut d'abord, la politique c'est pas un métier. Donc il faut en avoir conscience, c'est une fonction, et on l'exerce, il y a un début, il y a une fin, donc il faut le savoir, il ne faut pas s'accrocher non plus comme le Brennick sur le rocher, donc ça aussi c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement être très clair dans ses idées, très clair dans ses options, très clair dans ses choix, et les assumer. Et surtout, assumer ses choix, parce qu'il n'y a rien de pire quand un électeur ou un administré se rend compte que les choix, on ne les assume pas. On a l'impression aussi que les administrés, les citoyens ne connaissent pas forcément toujours le fonctionnement des institutions. Alors on a beaucoup parlé des régionales, des départementales, avec des compétences pour les uns, pour les autres, lors de l'élection précédente. Et est-ce que là aussi il y a un travail de pédagogie de la part des élus pour essayer de mieux faire connaître les institutions? Oui, d'abord, on est souvent confronté aux gens qui nous disent: mais il n'y a qu'à faire, ou faut qu'on fasse. Oui, et ça c'est le langage commun, et c'est très facile de le faire. Mais oui, le temps administratif, le temps politique n'est pas le temps du citoyen. Je vais prendre un exemple en matière de logement. Aujourd'hui, quand on fait un programme de logement, et notamment de logement social, il se passe presque 5 ans entre le moment où on a prévu le projet et où le projet sort. Pourquoi? Parce qu'il y a des recours, il y a des enquêtes, il y a ce qu'on appelle la démocratie participative, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais effectivement, le temps est de plus en plus long, le temps de la prise de décision. Et ça, les administrés ont du mal à le comprendre. Mais voilà, c'est comme ça, il faut l'expliquer, il faut faire preuve de pédagogie, il faut rencontrer les administrés, il faut expliquer les choses. Là encore, le terrain. La proximité, le terrain, il n'y a que ça de vrai. Et effectivement, alors on est à la radio aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate très souvent en plus que les deux chaînes qui font, qui formatent l'opinion des gens, c'est BFM et CNews. Et je crois qu'on
on a beaucoup de mal à lutter contre cela, parce que ça passe en boucle. Il y a des contre-vérités, voire même des fake news qui apparaissent. Les réseaux sociaux les relaient abondamment. Donc la proximité nous permet d'essayer d'enrayer ces discours ambiants qui sont parfois à côté de la réalité. Voilà, la proximité, c'est aussi la radio qui laisse le temps de s'exprimer et qui vérifie pour pas laisser passer de fake news. Là, on est vraiment dans la radio de proximité, et c'est ça qui est bien, parce que c'est là-dessus que nos électeurs nous attendent aussi. Donc faut pas, et j'invite d'ailleurs tous les élus qui ont envie de faire passer un message ou qui ont la chance d'être invités chez vous, d'y venir, et parce qu'on touche l'auditeur local. Voilà, la porte est ouverte, le micro est ouvert, bien entendu, hein, Ronan Cardraon. Alors vous parliez des choses qui fâchent, on a parlé de vous aussi dans un domaine où on vous attendait pas forcément. Vous avez peut-être déjà deviné de quoi je voulais parler. On parle beaucoup de chasse aujourd'hui, chasser des sangliers qui viennent abîmer les jardins ou autres. Bon, alors ça ne fait pas l'unanimité. Évidemment, certaines associations écologistes ne veulent pas que l'on touche aux sangliers. Et vous avez pris fait et cause pour les chasseurs il y a quelques temps, parce que des chasseurs ont vu leur véhicule dégradé alors qu'ils étaient en battue pour éliminer quelques sangliers qui s'approchaient un peu trop des jardins. Tout à fait. Alors moi, en tant que maire de Plérin, en l'occurrence, j'ai été souvent interpellé sur le fait que les sangliers venaient chasser sur nos terres, si je puis dire, et labourer des espaces publics et parfois même les jardins. Et à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Moi, j'ai rencontré la Fédération de chasse et je connais les chasseurs sur le territoire de Plérin. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Oui, il faut réguler. Mmh. Oui. Aujourd'hui, on estime que sur Plérin, il y a entre 100 et 150 sangliers. Bon. Ok, on a été obligé de prendre la décision de faire une ou plusieurs battues. C'est une décision qu'on assume. Je disais tout à l'heure qu'il faut assumer ses choix. J'assume mes choix, mais je trouve totalement irresponsable, stupide d'aller rayer les voitures des chasseurs qu'on missionne pour participer à cette régulation, et sachant que la régulation ne peut pas se limiter qu'à la simple battue. Mmh. Il faut aussi entamer des campagnes de stérilisation, par exemple. Mais jusqu'où va-t-on aller, quoi ? Demain, ça sera quoi ? On ira incendier la maison ou la voiture d'un chasseur ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de limites. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Mmh. Quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que certains, d'abord, se cachent derrière des faux profils. Donc, ça nécessiterait peut-être, là aussi, une régulation de la part des autorités ad hoc. Ensuite, on constate souvent des appels, je ne vais pas dire au lynchage, mais il y a quand même un petit côté. Et tout ça sans qu'il y ait une responsabilisation de fait. Donc, et puis souvent les gens ont l'impression d'une forme d'impunité derrière ces réseaux sociaux. Moi je suis présent sur les réseaux sociaux, mais j'essaye d'être très prudent par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on est, vilipendé, on peut être agressé. Moi il se trouve qu'un jour j'avais quelqu'un, comme je suis dans l'annuaire, qui m'attendait à la sortie de la maison un matin pour m'incendier. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'à travers cette forme de communication, il n'y a plus de forme de responsabilité et on peut tout faire. Et aujourd'hui, moi je dis non, on ne peut pas tout faire. Est-ce que le métier d'élu de terrain, dont on parlait Ronan Cardraon, devient, alors je ne vais peut-être pas dire dangereux, ce serait un peu fort, mais en tout cas parfois risqué? Alors d'abord, je reprends, c'est pas un métier, c'est une fonction. Oui, cette fonction, et pardon. J'avais un collègue qui ne s'était pas représenté d'ailleurs, je crois, en région parisienne, qui disait que la fonction de maire on était les élus à portée de baffe de nos concitoyens. Bah, parfois c'est ça, et on voit un certain nombre de maires qui aujourd'hui sont agressés, on en voit régulièrement. Moi je le regrette, mais tout simplement parce que aujourd'hui le maire est l'élu de proximité essentiel, majeur, auquel on fait encore confiance de manière générale, jusqu'à quand d'ailleurs. Mais effectivement, il y a une forme, moi, que je regrette, d'impunité. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait diffamé il y a quelques années sur Wikipédia. Il a été condamné, mais la peine n'a jamais été faite. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc là aussi, attention aux réseaux sociaux. On va redire un tout petit mot de politique avant de nous quitter. Il nous reste deux minutes, me dit mon réalisateur. On parlait tout à l'heure de la gauche, hein. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur à gauche, qui a milité, vous avez été longtemps au Parti Socialiste.
qu'est-ce qu'il faudrait pour que la gauche aujourd'hui discute comme elle a pu le faire dans les Côtes d'Armor au niveau national et arrive à s'entendre? L'exemple costa-armoricain qui a été mené, je peux en parler d'autant plus facilement que je n'étais pas dans la plateforme qui a été élaborée, mais je crois que cet exemple devrait servir justement au niveau national. Mais pour cela, il faut que chacun enterre ses égos. Et c'est ce que je disais l'autre jour à un journaliste qui m'interrogeait. Je disais, en politique, il est plus difficile d'enterrer les égos que de faire du tout l'égo. Voilà, bien, c'est sur ce mot que l'on va se quitter. Ronan Cadraon, vous étiez notre premier invité de la matinale, de cette nouvelle saison de la matinale, et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis peut-être à bientôt dans un nouveau studio. Mais oui, voilà, mais on en reparlera, voilà. Je le disais, il y a plein de choses qui vont se passer, je le disais aux auditeurs tout à l'heure, plein de choses qui vont se passer cette année, et c'est promis, amis auditeurs, on vous tiendra au courant. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.